justement, on a des partis, nous tout le temps pour participer et nous sommes présents dans toutes les activités que le gouvernement peut proposer. Pareil comme réforme électorale, un parti, un gouvernement n'est pas capable d'amener. Mais malgré ça, nous venons participer et nous venons donner ça en écrit. Et plus nous venons poster ça plusieurs à la presse. Et nous venons même donner la commission électorale et le bureau premier ministre. Mais malgré ça, nous n'avons aucune réponse jusqu'à l'heure et qui fait pour ne pas les faire réforme électorale. Nous venons participer même dans la réforme judiciaire devant l'eau de Macaï. Ça aussi n'a pas de haut du tout. Nous venons même participer, nous venons avoir une bonne collègue de la commission de la drogue. Nous venons avoir une bonne collègue de toute bonne activité concernée. Mais malgré ça, nous n'avons pas pu prendre aucune considération. Jusqu'à quand ça pour marcher? C'est à cause de ça que nous sommes obligés de participer dans cette élection-là. Comme le président du parti. Comme le président du parti. Même si nous avons 2 semaines, 3 séances. Et ça aussi, je vous promets, je vais vous montrer comment le Parlement fonctionnait. Parce que je ne vais pas vous décoser, je vais vous soumettre en écrit aussi, je vais vous tabler ça dans le Parlement. Et comment vous faire une suggestion. Et je vais challenger n'importe qui gouvernement. Si qu'un challenge nous réforme électorale, nous baisse notre système, nos partis politiques. Tout une passe dans la sérénité. Et nous félicitons aussi la participation de la presse. Et en mars, je veux dire, je suis tout là. Et qu'ils ont donné l'occasion pour nous, encore une fois, nous réitérer nos participations dans cette élection-là, sous les thèmes la moralisation de la politique. Et nous tous conscients que la politique Maurice a besoin d'une dose de la moralisation. Alors nous, pour penser avec conviction, nous capables d'apporter ça, bout de la moralisation dans la politique de nos pays. Ça, c'est le thème principal.